La saison 2017 reste la plus belle saison de ma carrière. Hein. C'est vraiment, ça a vraiment été une grosse une confirmation de mes dernières années. Et puis, ça se résume, on va dire que ça se résume sur les deux podiums en Coupe du Monde, les deux deuxièmes places à Mont-Sainte-Anne et à Val-d'Isol. Et puis évidemment, donc, le trophée du deuxième du classement général à la Coupe du Monde. Donc, c'est une grande satisfaction pour moi, c'est une grande fierté. Et voilà, ça donne aussi une grosse envie pour la suite. An okay guy. They had a pet dragonfly. Voilà, on va profiter des bonnes conditions de neige dans les Hautes Alpes pour aller faire une sortie ski de fond. Enfin, une bonne séance entre 2h et 2h30 et ça va travailler le foncier pendant cette période hivernale. J'habite dans les Hautes Alpes, donc il y a beaucoup de neige l'hiver et ça permet de trouver une autre discipline qui fait travailler évidemment sur l'endurance, le foncier. C'est un sport qui est très, très rythmé aussi, hein, qui demande toujours beaucoup d'énergie, mais on est souvent un peu à fond aussi, hein, parce que vraiment, du sport vraiment difficile. On travaille aussi le haut du corps, on travaille l'équilibre avec la glisse et puis moi personnellement c'est vrai que ça me permet aussi de faire un autre sport l'hiver. J'aime bien changer un peu les idées, changer de sport, de voir d'autres choses, pouvoir toucher la neige réellement. Et c'est vrai que là en étant sous les skis on est vraiment au contact de la montagne et du sport d'hiver. La course à pied, c'est aussi une part importante de la préparation en hiver et ça permet aussi de différencier du vélo, pas faire que du vélo dans cette trêve hivernale. Donc évidemment c'est le travail d'endurance, c'est le travail du cardio, c'est pas mal quand même autour des footings, c'est pas de la course à pied vraiment à haute intensité, c'est pas mal de footing sur une durée de demi-heure jusqu'à une heure et demie, c'est un peu selon la motivation. Et puis après il y a évidemment aussi le qui me tient le plus à cœur, c'est le kilomètre vertical, on va dire. Et puis il y a cet effort vraiment physique de la course à pied en montagne aussi, il y a moins de risques de blessures, courir en montée évidemment il n'y a pas de problème de traumatisme, de choc, on peut vite aussi avoir des tendinites, des problèmes de genoux, on est toujours un peu, on va dire, en étant cycliste on est un peu sensible car la course à pied on pratique 1 à 2 mois dans l'année. Et il faut aussi faire attention à ne pas se blesser. Ah, c'est horrible.
fait du bien quand ça s'arrête. On a monté évidemment la poignée de gaz. Grosse motivation pour l'année 2018 de voilà d'essayer d'avoir un trophée, un des trophées avec une place de avec un numéro 1 dessus, ça serait vraiment la grosse motivation. Et puis cette année il y a aussi la Coupe du Monde en France à la Bresse, donc dans les Vosges, au mois d'août. Et là j'espère voilà devant tous mes fans et tous les supporters voilà essayer de faire un gros événement et puis d'être vraiment là présent sur cette Coupe du Monde. Santé. Ouais.